J'ai recherché, je suis tombé sur une offre, j'ai eu un appel. Ça s'est passé, je m'en souviendrai, ça s'est passé la première semaine de juillet. Du coup, j'ai eu mon entretien durant cette première semaine. J'étais avec un chef d'atelier et une responsable ressources humaines. Bah, un peu quand même, on commence à avoir chaud, le corps qui pique. Après, ça va. J'ai eu de la chance, ils m'ont mis à l'aise. Durant cet entretien, j'ai montré ma motivation. J'ai même proposé à faire un stage non rémunéré. Juste par cette phrase, le chef d'atelier m'a demandé si j'étais majeur. J'ai répondu et il m'a dit « Est-ce que tu étais prêt à te faire de l'argent ?» J'ai répondu « Oui », parce que c'était en période d'été. Il m'a dit « Va t'inscrire dans cette boîte d'intérim. On part sur une semaine et si tout se passe bien, tu fais les 2 mois avec nous. » Ça s'est bien passé. Et après, vers fin août, j'ai pu signer. Ils m'ont donné tous les accès pour pouvoir venir normalement. Bah, il faut montrer qu'on est super motivé, qu'on a envie. Surtout, c'est le plus important. Parce qu'il faut que l'entretien se passe bien vis-à-vis de nous, en tant que futur salarié apprenti, et vis-à-vis du recruteur, quoi.